se remplisse, qu'au passage biblique que nous lisons aujourd'hui, inspiré Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut entré à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'herbe sèche, la fleur fade et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. » Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons d'écouter la lecture de ta parole. Viens toi-même nous enseigner, viens nous donner le sucre nécessaire pour notre marche de foi derrière ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est riche, quand on est heureux, on ne cherche plus le bonheur. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas chercher à démontrer. En effet, pourquoi faut-il se lancer à la recherche de ce que l'on a déjà? Le texte que nous venons de lire nous met en face de ce paradoxe. Nous avons dans ce texte un personnage singulier, vraiment singulier, du nom de Zachée. Il apparaît dans l'évangile et sa singularité ressort sur deux éléments fondamentaux qui nous sont présentés. C'est un monsieur qui est de petite taille. On dirait aujourd'hui un nabo ou bien un nain. Et l'autre particularité, c'est qu'il est aussi agile qu'un singe, parce qu'il s'est monté sur un arbre malgré sa petite taille. Il a cette capacité de le faire. Certainement qu'il a d'autres aptitudes et qu'il a d'autres qualités. Mais je voudrais partager avec vous deux leçons sur, n'est-ce pas, les éléments de son identité que nous venons d'évoquer. Il était petit de taille. Petit de taille. C'est un fait. Quand on est petit de taille comme lui, normalement, ça pose difficulté. Parce que pour qu'on arrive à parler de sa taille, c'est parce qu'il y a là quelque part la présence de Jésus. Le Seigneur est là. Jésus est parti de Jéricho, il traverse et Zachée, comme tous les autres, la foule, il apprend que le Seigneur Jésus est en train de passer. Non, c'est pas possible. Mais comme il est de toute taille, c'est difficile pour lui de pouvoir franchir tous ces gens qui sont là pour pouvoir arriver là où le Seigneur se trouve. Pourtant, il est à côté. Pourtant, il est presque à côté. Le Seigneur est là à côté. Mais partir de là où il se trouve pour arriver là où le Seigneur est.
détail. Il a des petits détails. C'est-à-dire qu'il peut passer inaperçu. Le Seigneur peut passer et lui, il reste là. Le Seigneur le voit pas. Mais bien aimé, dans le Seigneur, c'est mal connaître. Les gens qui sont de petite taille, de petit corps, ne sont pas souvent à s'amuser avec nous. On le sait. Parce que c'est mal connaître ici-là. Zachée qui, malgré sa petite taille, va dire c'est pas possible. Il ne peut pas être là à côté. Et il passe. Et comme moi, c'est pas possible. Alors, bien aimé dans le Seigneur, face à son handicap, Zachée se révolte. Il se révolte et il va montrer sa détermination à vouloir, n'est-ce pas, bénéficier de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Zachée va affronter son handicap. Mais il affronte son handicap parce qu'il a pris conscience qu'il a un handicap. Il est conscient qu'il lui faut, il lui manque quelque chose pour atteindre le Seigneur. La première leçon, bien aimé dans le Seigneur, c'est que celui qui veut à tout prix être béni par le Seigneur doit se bouger. Il faut bouger. Il faut bouger. Pour mériter les bénédictions de notre Dieu, il faut bouger. Il faut se démener. Il faut s'activer. La parole de Dieu, quand on est dans l'évangile de Matthieu quelque part, elle dit ceci, le royaume des cieux appartient à ceux qui s'en emparent. Ça veut dire que ce n'est pas un bon marché. Il faut, d'ailleurs, le texte parle même de ceux qui sont violents. Que seuls les violents s'en emparent. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je pose aujourd'hui, c'est que toi, quel est ton handicap? Quel est mon handicap? Quel est notre handicap? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un handicap? Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, vivent dans ce qu'on appelle ici le déni. C'est-à-dire que le refus d'accepter, le refus de reconnaître que j'ai une difficulté, un problème. Ils refusent de voir les choses sous cet aspect. Et ce qui est terrible, c'est que c'est justement dans le déni qu'on met un mur de séparation avec le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes peuvent fréquenter les églises. Je dis, ils font le même, je parle même de faire le tour des églises. Je dis, distribuer les Bibles. Je parle même aujourd'hui, regardez sur Internet, allez voir comment je les appelle aujourd'hui. Les distributeurs automatiques des versets bibliques, ils sont aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur sur Internet. Les versets bibliques, on nous abreuve des versets bibliques. Mais on peut distribuer les versets bibliques, bien aimé dans le Seigneur. On peut fréquenter les églises, faire le tour de toutes les églises, mais ne pas rencontrer le Seigneur. On peut être dans l'église, le Seigneur est là, mais on ne le rencontre pas. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, tu as levé les obstacles qui t'empêchent de rencontrer le Seigneur? C'est comme on pourrait dire, tu peux voir. Moi, j'aime souvent prendre cet exemple, parce que moi, c'est pas pour me moquer des femmes, d'ailleurs, je trouve ça exceptionnel. Lorsque tu marches avec une femme, elle est toujours, si tu marches, il faut toujours regarder, est-ce qu'elle a colle là? Tu as vu, est-ce qu'elle a colle là? Pourquoi? Parce que quand vous arrivez là où il y a les magasins, elle voit les chaussures, pendant que toi tu avances, elle est là, elle regarde les chaussures. Toi, tu avances, tu vois qu'elle a fait. Tu vois, bon, les robes, les sacs et tout ça. Bon, il faut toujours regarder si la personne a accordé. Mais ce qui est étrange, c'est que elle voit, mais elle ne parvient pas à toucher. Elle passe le temps à faire ce qu'elle appelle les lèches vitrines. On lèche, les lèches, les lèches, les lèches, 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 lèches. Mais c'est comme ça qu'il y a des lèches, Jésus-Christ. On lèche, mais on ne touche pas. On n'est pas dans ce contact avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais rapidement passer à la deuxième leçon
n'est-ce pas, de ce texte. Suivant cette lecture, parce qu'il y a plusieurs étapes de lecture qu'on peut, n'est-ce pas, évoquer pour parler ici là de Zachée. Jésus connaît ton handicap. C'est ce qui est important. Si toi tu n'es pas conscient, mais Jésus lui connaît ton handicap. Il connaît le mien. Parce que le texte nous dit quoi? Le texte nous dit que Zachée a voulu grimper sur l'arbre pour être vu. Mais pendant que lui grimpe, le Seigneur lui dit, hâte-toi de le passer. Moi, aujourd'hui, je suis chez toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des handicaps. Et je dis, comme il y a ceux qui sont toujours des professionnels, parce qu'il y a des professionnels de l'abondance, il y a ceux qui ont, au lieu de deux handicaps, ils ont même 10, même 20. Parce qu'ils veulent toujours avoir beaucoup. Mais bien-aimés dans le Seigneur, malgré nos handicaps, le Seigneur veut nous rendre visite. Le Seigneur veut nous rendre visite. Ça, c'est magnifique, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu connaît Zachée. Il le connaît très bien. Il le connaît tellement que Zachée n'a pas besoin, finalement, de ce... Il peut monter sur l'arbre et tomber avec sa petite aile, même se casser. Mais le Seigneur, parce qu'il le connaît, il lui dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre. Le Seigneur décide, avant même que Zachée le sache, de venir lui rendre visite. Parce qu'il connaît le problème de Zachée. Il connaît l'handicap de Zachée. Parce que son handicap n'est pas seulement sa taille. Son handicap, ce n'est pas seulement le fait ici là qu'il a cette capacité, mais c'est un publicain. C'est quelqu'un qui perçoit de l'argent d'une manière inconsidérable. C'est un riche. Il est riche. Mais pourtant, en sentant la présence du Seigneur, il va se mettre à courir. Il veut rencontrer. Mais il veut le bonheur. Ça veut dire que malgré tout ce qu'il a, il sent qu'il lui manque quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous soyons tous conscients, si nous sommes des chrétiens, de dire que quoi que nous puissions avoir, quoi que nous puissions être, il nous manque toujours quelque chose pour avoir le bonheur. Le bonheur n'est jamais atteint, il est toujours une quête. Et si nous quêtons, c'est parce que nous avons en nous-mêmes, nous avons cette conscience en nous-mêmes, qu'il y a quelque chose qui nous manque. Vous savez, dans tout ce que les gens ont eu à faire comme des recherches scientifiques, on a cherché Dieu. On a cherché Dieu partout. On a fendu le bois, on cherchait Dieu. On a cassé la pierre, on a creusé la terre. Les gens sont allés, n'est-ce pas, dans les espaces, ils cherchent Dieu. Mais ils ne parviennent pas à le trouver. Parce que Dieu, il est esprit. Dieu est esprit. Et cette quête continue. Elle continue. L'être humain s'obstine à chercher, à vouloir, parce qu'il veut avoir Dieu comme un objet entre les mains. Non. C'est pour cette raison que quoi que nous fassions, parce que c'est cet esprit-là qui se transforme en roi dans chacun de nous pour la vie, nous ne pourrons jamais atteindre Dieu. Mais par contre, lui, il vient pour être un. Dieu connaît chacun d'entre nous par son nom. Dieu sait quels sont nos handicaps, nos faiblesses, voire même nos maladies vers lui. Même si Zachée ne s'est pas fait remarquer, le Seigneur serait venu à lui, car outre son nom, il connaissait sans doute sa nature profonde, sa générosité, parce qu'il était aussi quelqu'un de généreux. D'ailleurs, il le dit que si j'ai pris même quelque chose à quelqu'un, je vais rendre ça au coin de lui. Parce qu'en lui, ce n'était pas quelqu'un de forcément mauvais. Jésus pardonne volontiers. Il pardonne volontiers. Mais pour cela, Zachée a posé l'acte nécessaire. C'était de montrer que lui-même a pris conscience que, attention, j'ai un
chirurgien médical. Je voudrais parler aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, avec un clin d'œil sur ce que j'appelle ici là. Les portes du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des handicaps, mais l'handicap fondamental qui nous bloque vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, c'est les portes de notre cœur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient nous rendre visite. Et il vient nous rendre visite, il veut, n'est-ce pas, que nous lui ouvrions les portes de notre cœur, parce que c'est le premier lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le cœur. Dieu, en la personne de Jésus, dans son humanité, lui, il a ouvert les portes de son cœur, il a accepté Zachée avant même de le raconter. Il a aimé Zachée, malgré tout ce qu'il est, et il avance vers lui, il ouvre les portes de son cœur. Mais bien aimé, dans le Seigneur, lorsque le cœur est fermé, cela veut dire que les portes de ce cœur ont été fermées. Lorsque les portes du cœur se referment, bien aimé, elles deviennent un mur, elles deviennent un obstacle, une frontière, elles deviennent les portes du rejet, les portes de la séparation, les portes de la négation de l'autre. Aujourd'hui, nous vivons le spectacle de tous ces migrants aujourd'hui à travers le monde qui sont rejetés. Ils sont rejetés parce que les portes des cœurs, ce sont les cœurs. Si les cœurs ne s'ouvrent pas, on ne peut pas les accepter. Le Seigneur Jésus-Christ est l'étranger qui dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je serai chez toi. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tous ces étrangers qui traversent les eaux, qui traversent les déserts, ils s'en vont. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de Jésus se trouve sous ces personnes? Combien de fois le Seigneur vient à la rencontre pour dire à tous ceux-là qui ferment les portes que moi, je voudrais entrer chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez fait cela à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à garder le thème suivant. Jésus, le visiteur qu'il ne faut pas refuser dans sa maison. Jésus, le visiteur qu'il ne faut pas refuser dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas sous le visage de l'étranger, de celui qui avance vers nous, qui vient vers nous, qui cogne à notre porte. Nous ne savons pas si derrière, ce n'est pas le Seigneur qui est venu pour nous rendre visite. Alors faisons attention à ne pas fermer nos maisons, à ne pas fermer les portes de nos cœurs. Les frontières ne doivent pas être érigées dans nos cœurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la colère. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'indignation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose de négatif qui provient ici-là de la réaction de l'homme face à son prochain qui peut lui reprocher quelque chose. Mais ce qui nous est recommandé, c'est de ne pas fermer les portes de nos maisons, de ne pas fermer les portes de nos cœurs. Parce que nous ne savons pas qui est caché derrière le visiteur qui se présente devant notre porte. Jésus, le visiteur qu'il ne faut pas refuser dans sa maison. Que le Seigneur lui-même bénisse à vous. C'est plus le visiteur qu'il ne faut pas refuser dans la maison. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour le partage de ce jour et le message que tu nous as adressé à travers ton serviteur. Éternel, nous demandons simplement que tu mettes ton Saint-Esprit en nous,
afin qu'il nous aide à bien digérer ce message, afin de le retenir tel qu'il est pour notre édification, afin que nous puissions aussi transmettre à d'autres, tel que nous l'avons entendu, pour leur édification propre. Éternel, ouvre nos cœurs, toi seul le peux, c'est vrai. Nous avons des difficultés à laisser nos cœurs ouverts. Mais, par ton Saint-Esprit, je pense que désormais, nous pourrons laisser ce visiteur entrer. À ton serviteur éternel, continue à l'abreuver de messages afin qu'il puisse nous en inonder pour notre édification, pour notre chemin de foi. Nous te disons merci pour cette journée et merci pour tous ceux-là qui aujourd'hui ont écouté le message venant de ta part. Nous t'avons prié, non par nous, que nous sommes purs, mais par le sang versé de ton Fils Jésus.